Yo tout le monde, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super super bien après cette rentrée. Oui, ça fait déjà une semaine que je suis rentré. Les vacances, c'est terminé. Malheureusement. Donc, je m'excuse si vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps, puisque j'étais parti aussi à Paris à la fin des vacances et j'étais dans l'incapacité de produire des vidéos. Enfin, bref. Aujourd'hui, on se retrouve sur CitiesXL 2012, bien évidemment. Je compte en faire un sacré paquet sur CitiesXL, puisque la sortie de SimCity m'a donné envie d'y jouer. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je compte me l'acheter, bien sûr, hein, mais je ne peux pas vous dire quand je l'aurai. En tout cas, le plus tôt possible. Je vous ferai bien évidemment des vidéos dessus, si ça vous intéresse, mais apparemment, oui, je crois. Voilà pourquoi il veut. D'accord. Autant pour moi, je n'avais pas vu. D'accord. Bon, décidément, il a bien. Il a décidé de me faire chier. Donc, l'industrie lourde au sud de la carte a besoin d'employés qualifiés. Donc, c'est parti. Hop, voilà, on construit des zones. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me fait là? Sachant que je compte pour régler ce problème plus que récurrent du traitement des déchets, le prochain épisode je compte le faire dans Fourniville qui ne s'est pas encore totalement développé. On va faire plus de champs de traitement des déchets là parce que vraiment ça sature ici, mais vraiment vraiment. Et puis ça empêche mes entreprises de prospérer. Enfin, voilà, c'est que du négatif. On a tout intérêt à le résoudre le plus vite possible. Voilà. Hop. Nickel. On va attendre que ça se développe. On va mettre le jeu en 5. On gagne 11 000 euros. Voilà, ça se construit. Alors, est-ce que... Oula, désolé, ça rame. Surtout que CitiesXL rame beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. On va en profiter. On va en mettre un petit peu plus. Traitement des... Tiens, on va mettre ça. Ah non, c'est quoi ça? Non, ça c'est l'eau. On va mettre ça. Hop. On va agrandir la surface de zone de traitement des déchets. Ah oui, mais ça coûte très cher. Oh là là, je me suis ruiné. Ça coûte... Oh, je suis dans le négatif là. Oh putain, je suis dans le négatif. Je suis dans le négatif, les mecs, ça va pas. Bon. On va essayer de zoner là, on va développement, construction. Aujourd'hui, c'est plutôt de l'urbanisme que nous allons faire. Vous voyez ici, en périphérie de l'autoroute, je sais, c'est pas très cool pour nos amis travailleurs qualifiés, mais bon, hein, voilà. Hein. Sans moi, ils auraient pas de logement. Hop, on leur construit des zones habitables, bien évidemment. On va s'occuper des services publics. Enfin, tant qu'ils gueulent pas pour l'instant, ça devrait le faire. Il faut des logements pour travailleurs. Pour travailleurs aussi. Ok, bah on va les faire tout de suite alors, pas de problème. Pas de problème que des solutions. Par contre, je perds beaucoup d'argent. On est à moins de 2 000. De toute façon, on a 17 millions. Hein, c'est pas. Enfin, ça fluctue en plus. Ici, bah on va développer ici, regardez. Développer ce quartier. Hop. Hop là. Voilà. On va continuer jusque vers l'autoroute. On sera un peu dans les montagnes. C'est pas trop trop un problème. Oui, je voulais vous dire, j'ai remarqué que vous êtes de plus nombreux de. Je sais plus parler. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait très plaisir. Ça m'encourage, hein, et j'espère que vous serez de plus en plus. Ce serait super cool. Hop, voilà, on va mettre. Oh putain, j'ai. Ouh là là, j'ai pile la place. Hop, voilà, ça va leur faire plaisir. Un petit parc ici. Un petit parc là aussi. Voilà, on met des parcs. Parce que nous, on aime les parcs. Waouh, c'est beau les parcs. Voilà, faudrait privilégier aussi. Putain, là, traitement des déchets. Mais ici, tout le monde a retrouvé de l'emploi, c'est super. Et je gagne pas assez d'argent.
Écoutez, on va faire un tour. Attendez, annuler, c'est... Pourquoi il me met ça dans... Pourquoi il... Voilà, il y avait eu un bug. Je ne sais pas ce que c'est que ces grosses flèches énormes. Je sais absolument pas d'où ça vient. Ne me demandez pas, enfin si quelqu'un sait. Fourniville. Ok, alors je peux lui vendre du carburant. Voilà, les bureaux. Bon, je perds toujours de l'argent. Faut pas chercher. Si l'agent... Ah, non, je... j'en gagne, j'en perds. Écoutez, là, cette zone industrielle sature. Il n'y a plus trop de place. On a déjà pas mal construit. Ah non, j'ai pas chargé les textures ici. Alors, nos petites industries, électricité... c'est vraiment très très chaud. Je pense que, ouais, il faut qu'on fasse d'autres villes. Il faut qu'on fasse beaucoup plus de villes spécialisées dans certains domaines. Hein. Ouais, écoutez, ça, on fera ça dans la prochaine vidéo. On fera des villes qui pourront répondre aux besoins de cette grosse mégalopole. Ici, je vais essayer de combler les trous. Je vais construire partout ici, partout là. Enfin, je vais construire partout. Je vais remplir littéralement cette carte. Sachant qu'on est à 500 000 habitants. Je n'avais même pas remarqué. Vous voyez, on peut faire des très grosses villes comparées à SimCity, enfin au nouveau SimCity même, où les terrains sont devenus minuscules, tout petits. Bon, enfin je veux dire, le gameplay du jeu est fait comme ça, donc je veux dire, c'est pas tellement un problème, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut vite être lourd, quoi. Le fait de pas avoir... le fait de pas avoir de place... Pour construire tout ce qu'on veut, en fait. Hein. Si on veut faire des grosses mégalopoles, ben voilà, quoi. Par contre, j'ai remarqué que au niveau tout ce qui est... comment je pourrais expliquer ça? Tout ce qui est spécialisation, par exemple, dans le domaine industriel ou de scolaire et tout, dans SimCity, est plutôt bien fait. Ils ont fait un truc sympa. Tout le système d'export, d'import-export, là, dans... Avec le monde, enfin le monde, voilà quoi, je me comprends. C'est plutôt agréable. Putain, eux ils sont... J'ai déjà mis plein de parcs ici. Attendez les mecs, soyez sympas quoi, j'ai mis des tonnes de parcs. Voilà, je vous en mets un. Qualité du cadeau de vie, elle est énorme là. Sauvegarde automatique qui vient tout faire planter. Soyez sympa quoi, proximité du fret. Faudrait que je la relie, faudrait que je fasse une route. Une route. Ouais. Ou alors je la relie par ici. Écoutez, on va tenter un truc. Ah merde, non, c'est pas autoroute. Celle-là. Non, pardon. Celle-là. Je pensais aussi à quelque chose. Sur cette planète, parce que je ne sais pas combien de temps cette série va durer, mais je comptais faire des villes sous forme de continents. Vous voyez, il y a des espèces de continents sur la planète, et par exemple faire un continent plus typé européen, c'est-à-dire voilà un peu n'importe nawak comme ça là, et un continent plus typé américain, quadrillage, ce genre de choses. Ça pourrait être sympa. C'est pour ça que la prochaine ville qui alimentera celle-ci. Je la ferai sur ce style. Ah, ben voilà. Eh ben voilà, c'est... Eh ben voilà, la proximité du fret. C'était pour ça. J'avais juste à construire une route. Vous voyez. Alors que pourtant, il y avait juste là. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Tout de suite, on gagne vachement plus d'argent. Là, ça fait plaisir. Allez, on va continuer l'urbain. Comment ça, les citoyens s'ennuient? Non, non. Non, c'est pas hôtel, c'est loisir. On n'a pas mis de stade encore, non? Il me semble. C'est quoi ça? Plus 5... Terrain de foot américain? Plus 5 satisfaction santé? Expliquez-moi le délire. Eh ben écoutez, on va mettre un terrain de football américain. Oh, il y avait pile la place là, c'est franchement c'est rageant. On va le mettre là si on peut. Oh pitié. Oh oui. Oui. Non. Oui. Ah, oui. Voilà.
On va rajouter des loisirs culturels, évidemment, puisque hein, je veux pas que j'allais dire nos Sims, nos... Comment ils s'appellent déjà? Nos Citizixéliens, nos... Enfin, ce que vous voulez, quoi. Ah, là, le loisir, ça... Oh là 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 là, ça va pas, le loisir. On va rajouter des choses, écoutez, on va mettre un cinéma là. Un musée ici, de même. Oh putain, ça me ruine, mais d'une force. J'ai pas l'impression que la culture, ça les passionne. Après, je me gourre, mais peut-être, mais... En tout cas, ça me ruine bien, cette merde. Allez, un terrain de karting. Mais c'est un loisir, ça. À grinder. L'endroit idéal pour grinder. Oui, ça, j'en doute pas, mon gars. Ça va me ruiner parce que ça va me coûter la peau du cul. On va le mettre là. Voilà, j'ai plus de fric. J'ai essayé de résoudre ça. Bon, allez, c'est parti, on va urbaniser. On va mettre des élites un peu. Allez, hop, des élites. Ah mince. Toujours au centre de la ville, puisque nous on veut des gros buildings, des gros 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 buildings. Le trafic est saturé. On va pas tarder à faire du métro, même si j'ai déjà le tram. Comment dire, j'améliorerai le service de transport. Enfin, je veux dire le service de tramway. Ah. T'as décidément, il me casse les bonbons lui, hein. Hop, voilà. Comme ceci. Alors oui, il y en a pas mal qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour mettre le mode expert. Et ben, c'est tout simple. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Vous allez dans les options. Vous prenez la petite clé, voilà, options. Vous voyez ici donc les options graphiques divers. Voilà, et là vous avez le mode expert. Voilà. Et donc moi, il est activé. Deposette. Je sais plus ce que c'est. Bon, bref, voilà. Vous avez vu. On va faire un mini zoom sur notre aéroport, hein, comme j'aime si bien le dire. Vous voyez, c'est bien fait. Hein. Faudra que j'utilise mon mode qui permet de faire des aéroports personnalisés très sympathiques où on voit tout quoi. Par contre, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une très grande activité. Ça bouge pas. Il n'y a pas d'avion. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'avion qui décolle ou qui atterrisse. Ah! Ben, au moment où je dis ça. Waouh! C'est beau. Et est-ce qu'il fonctionne bien? Passager 40. D'accord. Bon, on va rien dire. Hein. Voilà, hein, c'est. Enfin bref quoi. C'est minable. J'ai construit un aéroport pour que dalle. Enfin si ça a aidé à développer mes entreprises bien sûr. Les citoyens s'ennuient. Alors ça par contre c'est vraiment un gros gros problème. Non CityXL, les loisirs. Les loisirs. Ils demandent que des loisirs. Tenez, on va voir un peu les statistiques. Oh, 605 000 habitants. Occupation, logis, taux d'immigration, chômage 13%. Ah, chez travailleurs qualifiés, faut leur donner un peu plus de boulot. Satisfaction. Satisfaction. Bonus touristique. Service. Coût emploi. Oh là là, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu qu'on avait autant de. L'électricité moins 5. L'agroalimentaire moins 5. Ouais, va falloir qu'on. Va falloir qu'on joue sur le traitement des déchets aussi. Bon. Bref. On va continuer un peu à installer de l'industrie lourde à forte densité. Non, à densité moyenne. À la densité moyenne. Attendez. On va plutôt la faire là.
juste à côté de l'autoroute. Carrefour trop complexe. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors je m'excuse si le jeu n'est pas très fluide. Mais bon, c'est CityXL et mon PC n'est pas une grosse machine. À mon grand regret. Faut l'excuser, faut lui laisser un peu de temps. Et puis voilà, en plus ce jeu, comme tout le monde le sait, est super mal optimisé. Enfin tout le monde ne le sait peut-être pas, mais bon, moi je vous le dis en tout cas. Voilà. Proximité du fret. Ah non, ils vont pas encore gueuler eux. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une petite une route, voilà, ici, juste là. Oh non, le terrain, attendez. Attendez, on va prendre la route courbe. Hop, fais-nous rêver, Patrick. Oh oui, oh oui, alors là, je vous vends du rêve. Oh là là, oh, oh, oh. Oh, oh oui, oh, si c'est pas beau, ça. Voilà, voilà comment on fait une route dans des collines bizarres. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça a marché. Par contre, la qualité de cadre de vie... Les industries high-tech, ça rapporte pas mal, hein, je dois l'avouer. On va faire un autre pôle high-tech. Faudrait un pôle high-tech par ici ou par ici. Je vais voir par ici, tiens. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. J'ai cru que ça buguait, mais en fait, non. On va continuer l'urbanisme. Hop, avec principalement des travailleurs qualifiés. Hop, toute cette zone-là. Donc, développement de l'espace. Hein. Je fais ça en ce moment en histoire. Enfin, je l'ai fait. En histoire, en géo. Bon, on va pas tarder à se laisser. Bon, parce que ça fait un petit peu... Bon, enfin, non, il reste du temps, là. Non, non, il reste du temps. Vous inquiétez pas. Tac, tac, tac. La vidéo sur le concert que je suis allé voir, le petit montage, je l'ai pas encore terminé. Mais il sortira bientôt pour ceux que ça intéresse. Hein. Je suppose que la moitié d'entre vous s'en foutent. Hein, mais bon, c'est pas... Moi, je m'en fous, ça me fait plaisir. Ça peut faire découvrir des trucs à des gens. Hein. On sait jamais. Oui, merci la sauvegarde. Voilà. On continue. Et bien sûr, on fait tout sauf du quadrillage. Voilà. Alors, ça met du temps. Ça va ramer de plus en plus. Ça me fait peur. Oula, attention, par contre ici on va s'arrêter un peu. Voilà. Là, ligne de bus saturée. Ligne de bus saturée à cause de la trop haute fréquentation. On devrait installer une nouvelle ligne. Ok, bon attendez, on va voir ça. Alors saturation. Fréquentation 100%. Tramway, fréquentation 100%. On va mettre des tramways doubles. Si ça me ruine, on va mettre des bus doubles. Bon, ça me vaut, ça me prend une grosse blinde. Enfin, mais au moins j'ai réduit le travailleur qualifié. Oui, j'ai vu effectivement. Ça vous bouffe. Ouais, on ira faire un tour dans les échanges. On va voir si la manufacture, alors densité moyenne. Non, qualifié, manager, merde, il faut des... On va faire de la... Non, qualifié. Écoutez, on va faire de la manufacture. Hein. Bah, par contre, ici, ça commence vraiment... Hein. Il faudrait une autre zone industrielle. Bah, on va en faire ici, écoutez. Hein. Ici, ça va être une grosse zone... Hop. Activité économique oblige. Hop. Nous... On fait de l'industrie, de la manufacture. Trafic saturé, on va voir où c'est. Ça, c'est pas la bonne idée. Éviter ouais, de faire des tout le temps des petits passages piétons, des trucs à la con, là.
Parce que sinon, ça vous bousille le trafic. Vous voyez, ça rame comme je sais pas quoi derrière les voitures. Vous voyez. C'est pas fluide du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Faut pas s'attendre à quelque chose de phénoménal. J'espère que sur SimCity, ce sera pas pareil. Attendez, on va zoomer un peu avec ce menu. Oh là là, comment c'est pas fluide. Ouh là là, pff, toujours plus arbre et rousse. Par contre, c'est fréquenté, hein. On va voir un peu les graphiques. Voyons les graphiques. Bon, attendez, on va d'abord zoner, hein. Je vais zoner comme un malade. Allez, hop, c'est parti les amis. Je vais d'abord zoner comme un ouf. Voilà. Comme un ouf, comme ça, on aura fait de l'urbanisme pendant cet épisode. En plus, j'ai bugué. Voilà. Nickel. Ok. Voilà. Ici, ça va être du manager à gogo. Voilà, c'est nickel. Nickel, du manager, on a besoin de manager. Nous, on aime les managers. Venez, les managers. C'est super. On va peut-être, ouais. Oula, ça bugue un peu. On va faire un pont. J'ai envie de faire un pont pour finir cet épisode. Pont tout de suite. Alors, les ponts. Pont. Pont à bascule. Alors, ça, c'est quoi? Route? Non, je veux plus. Route. Route. Non, alors, c'est dans ce sens. Non, attends, c'est où alors? 80. On va prendre ça alors. Attention, les amis, travail de prophète. C'est quoi ce qu'il y a dessus? Non, c'est bon. Travail de professionnel. Hein. Par contre, c'est un peu con ce que je fais puisque le pont il commence sur la terre quoi. Pourquoi il veut pas me le... Pourquoi tu veux pas... Bon, attendez. Je ne comprends pas. D'accord, c'est parce que c'était ce message à la con qui gênait. Espace insuffisant pour la route. Ça, je sens que ça va me chier. Bon, écoute, on va le faire dévier par ici. Voilà. Là, j'essaie de faire descendre. Oula, sauf que ça m'a fait un truc un peu zarbe. Oula, j'essaie de remonter un peu. Qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. C'est un pont un peu fait à la one again, mais bon. Voilà. Il sera parfait, je pense. Donc, on va zoner un peu plus. On aura gagné. Une bonne dose d'habitants là. On n'aura pas chômé. Écoutez, on va remettre des managers ici parce qu'on en a besoin. Venez, on est bien. Venez avec nous. Donc là, je sais pas si ça a été très intéressant pour vous. On va jeter. Attendez, je fais juste cette parcelle et on va jeter un œil aux échanges. Mince. Si, c'est bon. Aux échanges de tokens. Et pourquoi il me... Oh là là. Ah, le posage de zone. C'est trop bien fait. Peut-être
Peut-être que certains ont acheté le platinium. Je crois qu'on n'a fait pas dans les commentaires. Certains ont acheté le platinium. Alors, je ne sais pas exactement les différences avec celui-ci, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être s'ils doivent avoir fixé quelques bugs. Hein, ce serait la moindre des choses. Ils ont rajouté des bâtiments. Ils ont rajouté des tonnes de trucs. Les échanges, et on va se laisser là, les amis. Déjà, on va voir avec Omicorp ce que je peux lui offrir. Carburant 6. Voilà, déjà, ça c'est fait. On va leur envoyer des managers. On va commander de l'électrique. On va leur en vendre du high-tech. Par contre, des bureaux. Oh là 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 là! Ma production de bureaux a diminué. On va en construire juste là. Et après, on va se laisser ici. Travailleurs qualifiés. On va leur en vendre un peu. Par contre, sérieux pour le traitement des déchets là. Wow, regardez notre argent. Attendez, j'ai mis en pause. On a gagné du profit là. Oui, je me répète en plus. On a gagné de l'argent. C'est magnifique. Ah non, c'est des bureaux que je veux. On va rajouter une zone de bureaux, les amis, à grande densité. Pour produire plus et vendre notre production, notre excédent de production. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Moi, ça me plaît vraiment tout ce qui est oula, urbanisme, tout ça. Je suis en plein dedans. Voilà, le chômage frappe les travailleurs qualifiés. On s'en branle. Non, on est comme ça, ouais. Bah, je vais peut-être en faire de la densité moyenne quand même. Voilà, comme ça va donner du boulot à nos amis managers et travailleurs qualifiés qui sont venus s'installer et qui n'ont pas de boulot. C'est leur faute. Voilà, ils avaient qu'à pas venir. Hein. Voilà. Et on va valider et on va se laisser là-dessus. J'espère que. Oula. Alors, je suis là. On va fermer ce menu de merde. Et hop, on lance. On attend que ça se développe un peu. Regardez, premier gratte-ciel. C'est juste pour voir si ça se développe. Pour regarder combien je gagne de population. On aura gagné quasiment 100 000 habitants, il me semble. Même plus. Vous voyez, ça monte très très vite. Hein. Vraiment très très vite. Sur très peu d'espace. Enfin, si. Cette map fait genre 20 fois une map de SimCity, peut-être. Hein. Voilà, on gagne de l'argent, tout va bien. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, l'épisode prochain, je vous promets de faire une autre ville dans un autre continent, hein, de style américaine, où on fera des quadrillages. Et je ferai 2-3 villes comme ça pour fournir assez de ressources à cette ville-là, pour qu'elle se développe du mieux possible. Voilà. C'est tout. Et on essaiera de faire une ville touristique qui sera plutôt sympa, une ville balnéaire sur la plage et tout, avec les cocotiers et tout le tralala. Enfin, voilà. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un j'aime, partagez la vidéo, faites-en ce que vous voulez. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de faire des vidéos pour vous. Et j'espère que vous les appréciez. Sur ce, salut à tous, portez-vous bien!